toujours l'engagement des jeunes citoyens avec la semaine de la presse. Et quand les rôles s'inversent à Alençon, les élèves de la classe presse du collège Louise Michel ont tourné leur premier reportage et ont interviewé nos confrères du bureau de l'Orne, Nicolas Corbard et Damien Mignot. Reportage. Bienvenue au collège Louise Michel dans le quartier de Persaigne. Nous sommes 9 élèves de 4e à participer à la classe presse. Alimé, Marvé, Manili, Wally, Alexis, Marwan, Berisa, Salim, Chamsejim, Madame Lefebvre. Toute l'année, nous publions des articles sur le blog du collège et dans Ouest France. On a un petit bureau qui est situé à Alençon, donc on est deux et on rayonne sur tout le département. Aujourd'hui, nous réalisons un reportage télévisé à l'aide de Nicolas et Damien de France 3 Normandie. Comment réalise-t-on un reportage ? Alors la première chose à déterminer, c'est l'angle, donc c'est la question à laquelle on doit répondre dans le reportage, qu'est-ce qu'on veut montrer ? Ensuite, on va sur le terrain, on fait des interviews, on interviewe 2-3 personnes en fonction des réponses qu'on souhaite. Midi 30, les élèves rejoignent les locaux de France 3 à Alençon. Au programme, dérochage et montage. Le plus difficile, faire des choix. Ça ne dure qu'une minute 50, donc là, si on intègre cette question-là, ça dure 13 secondes. Donc 13 secondes plus 13 secondes, ça va aller très vite. N'oubliez pas qu'on a plein d'autres plans. Toutes les images et commentaires doivent être envoyés pour 15h30. Malgré la pression, l'expérience porte ses fruits. Ça permet de développer de nombreuses compétences chez les élèves. Ça permet de travailler l'expression orale, l'expression corporelle, la confiance en soi. Ça permet de progresser en français. Il faut ensuite envoyer les images à Caen via satellite. Salim enregistre le commentaire. Images et sons seront assemblés par le monteur. Cette journée m'a permis de me mettre à la place d'un journaliste en faisant des interviews et en utilisant une caméra professionnelle. Ça a aussi été une journée riche en apprentissage. Encore une belle expérience pour la classe presse. On espère que cela vous aura plu et qu'il vous aura appris comment réaliser un reportage. Merci à France 3 de nous avoir offert cette opportunité. Au revoir et à très bientôt. Merci France 3. Et merci à vous, chers collégiens.